Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la suite de la vidéo carterie. Comme vous aviez vu, je vous ai mis un petit message à la fin de la dernière vidéo. J'ai pas pu vous faire la suite des autres cartes, enfin, tout au moins la deuxième déjà, parce que j'avais déjà passé un peu de temps sur la première carte et après j'avais rendez-vous au kiné, voilà. Et au kiné, en fin de compte, la séance durait presque une heure. Et donc, le temps que je rentre, tout ça, je ne pouvais plus me remettre sur ma carte. Donc, voilà. Par contre, j'avais quand même commencé la carte. J'avais déjà filmé, si vous voulez. Bon, j'avais déjà commencé à filmer la deuxième carte. Je l'avais commencé. Et après, bon, l'heure est arrivée. Et donc, je suis partie, j'ai stoppé la vidéo et je suis partie en kiné. Voilà, je viens de vous l'expliquer. Et je me suis aperçue que ce que j'ai fait, je vais vous le montrer. C'était pas top, c'était pas beau. Donc, je vais refaire du coup aujourd'hui. J'ai fait du tamponnage. Voilà, je vous avais montré avec les petits animaux. Et je me suis servi des feutres à alcool d'Action. Alors, je ne sais pas si c'est le papier, mais ça ne me l'a fait que sur un seul tamponnage. Donc, je ne pense pas que c'est le papier. Mais j'ai utilisé deux sortes de feutres à alcool. J'ai utilisé les anciens et les nouveaux. Donc, sur un des personnages, j'ai utilisé les anciens feutres. Et ça a bavé. Voilà. Sur les trois personnes, je vais vous montrer, hein. Sur les trois autres personnages, ça va. Ça n'a pas bavé. Et sur, sur un des personnages, l'encre a bavé, enfin le feutre a bavé. Et vous savez, c'est comme si le papier avait bu le feutre et puis c'était un peu élargi. Et du coup, ça fait super moche, hein. Je peux pas mettre ça. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Je vous montre de près. Alors, le petit lion, l'éléphant et la girafe ont été faits avec les nouveaux feutres d'Action, hein, les derniers. Voilà. Et le petit tigre, alors j'espère que vous voyez bien. Vous voyez, ça a bavé ici, enfin tout autour de sa tête. Ça a bavé. Et ça, c'était fait avec les anciens feutres d'Action. Voilà. Donc je pouvais pas donner ça, et en plus mon embossage c'est pas bien fait non plus, tant qu'à faire, hein, ça a été la cata complète. Donc là ça s'est mal embossé alors que tout le reste était bien. Donc du coup j'ai dit bon je vais la stopper complètement celle-là, et j'ai dit bon c'est pas la peine que je la fais. Donc je vous montrerai quand même une partie, je pense au montage je vais voir comment je vais faire. Je vous montrerai peut-être une partie de comment j'ai fait le tamponnage déjà, et quand même comment j'ai fait l'embossage. Voilà, parce que j'ai déjà préparé ma nouvelle feuille. Voilà. Donc là qui est vierge, l'embossage est fait, vous voyez là il est nickel. Et j'ai déjà fait mes petits tamponnages avec mes petits personnages animaux. Donc je vais vous, en faisant le montage de la vidéo, vous verrez une partie de ce que j'ai filmé hier. Et donc j'arrêterai juste au montage juste avant le coloriage, puisque là, le coloriage ne servira à rien. Et aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de faire le coloriage, mais au crayon. On va voir. Là, au crayon, de toute façon, il n'y aura pas de problème. Ça va pas déborder, hein. Voilà. Mais du coup, j'ai pas envie de m'embêter aujourd'hui avec les feutres à alcool. Que ça refasse comme ça des taches. Voilà. Donc, celui-là, je récupérerai peut-être les petits animaux qui eux n'ont pas eu de problème, pour mettre sur une autre création. Voilà. Mais le petit tigre, lui, bah, il est mort, le petit tigre. Alors, je vais utiliser ces crayons-là. Voilà. Donc, c'est les actions aussi. Alors, où j'ai mis le petit papier. Voilà. Voilà, c'est cela. Non, dans le bon sens. Oui, hop, à l'endroit. Voilà, ce sont ceux-là que je vais utiliser. Donc, il y a deux tiroirs. Donc, je pense que là, en faisant le crayon, en plus, ça fera joli. Donc, j'utilise un fond de carte rose, un fuchsia à peu près. Il va y avoir un fond de carte rose comme ceci. Un fond comme cela. Et je regarde parce qu'il y a encore les chiens du voisin qui aboient comme des malades. Je regarde qu'ils ne se sont pas sauvés. Non, ça va. Bon, maintenant, quand je les entends se battre ou quoi, je regarde qu'ils ne sont pas dans mon jardin. Hein. Malgré qu'ils sont dans un chenille maintenant. J'ai pas confiance du tout à ces chiens. Ensuite, je vais voir parce que bon, la personne m'a demandé si je pouvais rajouter le prénom du bébé. Et donc, j'avais fait un essai. Donc là, j'attends qu'elle me réponde pour voir si ça lui plaît. Et donc, je l'ai fait avec ce papier-là qui vient de... Alors, qui vient de le... Là. Hop, viens ici, toi. Voilà. Ça, hein, c'est les papiers stickers. Et je l'ai fait avec... Alors, ils sont encore collés dessus. Ils sont encore collés dessus, mais ce papier-là n'est pas très bon. Alors, vous voyez, hop, je vais faire tomber. Le blanc, la protection s'en va, mais ce qui est stickers reste. Donc, il faut que à chaque fois, j'enlève à la main. Mais là, ça vient pas. C'est pas de la faute du dies, hein, c'est de la faute du papier. Ces papiers-là sont pas vraiment terribles. Donc, j'avais fait un essai. Voilà, comme ça. Noémie. Oui, c'est Noémie avec un Y. Donc là, j'attends sa réponse pour voir si je laisse comme ça, si je fais je marque le prénom ou pas. On verra bien. Allez, on va faire le petit coloriage de nos petits animaux. Je vous bascule, on se retrouve tout de suite. Allez, on va faire la deuxième carte. Donc, on va la faire avec donc ces tampons ici. Donc, et ce fond de carte rose, comme ceci. Alors, pour les tampons, je vais utiliser dans le bloc, comme ceci. Je vais prendre une feuille blanche. Alors, je vais prendre une feuille épaisse. Voilà. Et on va couper ce qu'on a besoin. Voilà. Alors, je ne vais pas faire sur toute la feuille. peux faire que sur la moitié. Je regarde. Le tampon le plus grand. Voilà. On va le mettre bien droit. Voilà. Donc maintenant, mes tampons. Je vais prendre ma fausse Misty. Je rappelle que ça, moi, je l'avais fait avec un cadre que j'avais acheté chez IKEA. On peut retrouver la vidéo du tuto sur, dans mes vidéos. Voilà. Je vais utiliser la Memento. Alors, on va les mettre en couleur. Voilà. Donc, on va commencer par notre petit éléphant. Donc, le petit éléphant, il va être gris. On va prendre un petit bout de papier. Non, c'est pas ce papier-là que je voulais. C'est celui-là, je l'avais mis à la poubelle, je ne sais pas pourquoi. Donc ça va être juste un tout petit peu plus long, mais bon. Je mets, voilà. Sinon, je vais avoir les défauts de mon tapis sur mon dessin. Donc je lui fais déjà 2 cartes pour qu'elle puisse choisir. La première lui plaît déjà. Donc elle attend de voir la deuxième pour faire son choix vraiment. Bon là ce sera pas le même style. Hein. Voilà, le petit éléphant est fait. Alors, le petit lion, la crinière orange, hein, le petit lion. Voilà, déjà 2 de fait. Alors, la girafe, c'est quelle couleur une girafe déjà ? Je crois que c'est orange avec des taches. C'est des taches noires, hein, une girafe. Son corps est plutôt jaune, orangé. Il y en a des blanches, hein, très très rares, mais il y en a des blanches. Je crois qu'il en reste que 2 dans le monde. Il y en avait 3, je crois. Il y en a une qui a été tuée par les braconneurs, bien sûr. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Maman girafe, elle avait son petit. Je crois qu'ils ont tué la maman. Je ne sais plus exactement, mais bon, je sais que il doit rester 2 ou 3 girafes blanches dans le monde. Et ben, ils en ont tué une. Comme ça, pour s'amuser. Voilà. Et il nous reste la petite petite panthère ou petit. Oui, c'est une panthère, c'est des taches. Quelle couleur ça, une panthère Voilà, mes 4 petits personnages coloriés. Ensuite, donc ça viendra là-dessus. Alors, je vais d'abord coller un ruban ici. Alors, je ne peux pas mettre de double face comme ça parce qu'il est trop large. Et je viens de vouloir sortir mon double face. Alors, vous voyez celui-là. Il a complètement séché. Alors, tous les rouleaux. Bon, je l'avais acheté chez AliExpress, hein, il y a un an. Mais c'est entièrement séché, donc direction verticale, la poubelle. Je suis contente. Mais bon, tant pis. Hein. J'en achèterai du bon là, dès que je peux. Alors, hop, hop, hop. Je me mets bien droite. Je vais me faire un trait. Voilà. Deuxième au-dessus. J'espère que ça ne va pas me faire de bêtises. Non, ça va. Là par contre derrière je peux mettre du double face, ça c'est pas un problème. Donc voilà. Alors mon double face. Là, vous voyez, il y a une toute petite tache sur la colle, mais c'est rien. Il va y avoir des perles. chaque fois avec moi. Ça vient un petit peu à l'arrache, les idées. Je vais essayer de récupérer les petits trucs. Il me manque un grand rond. Mince. Il me manque un grand rond, mais bon, je sais pas où il est passé. Le petit là. J'aime bien mon idée. Bon, là, vous voyez, il y en a vraiment... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Celui-là, ça m'étonnerait que j'arrive à le placer. On tente, on essaye. bah voilà, il est tombé dans la colle. Je crois que ça ira là. On va faire d'abord l'étiquette. Et j'ai perdu. Essayer de remettre le Noémie. Et maintenant, on va faire la petite étiquette. Bienvenue, pas bienvenue chez les ch'tis. Hein. La blague à 2 balles. Je vais essayer. De toute façon, ça se décolle facilement. Si ça ne me plaît pas. C'est mieux. Ça fera moins chargé. Et là, du coup, mes petites tututes. Voilà. Bon, juste qu'il faudrait que je colle ça sur la carte maintenant. Donc là, je vais la mettre en mode pupitre. Et voilà, ma carte est terminée. Et voilà. Donc, là, ceci. Donc, je la trouve jolie, toute fraîche, et originale. Allez, je vous remonte un petit peu. Voilà, j'ai terminé donc les deux cartes. La première, vous l'avez déjà vue dans la précédente vidéo. Je vous la remonte pour celles qui ne l'auraient pas vue. La voici. Et voici donc la deuxième. Voilà, dans un style différent. Je pense déjà savoir laquelle que ma cliente va choisir. Voilà, dites-moi celle que vous préférez, si avec les petits animaux ou avec le landau. Et puis si vous avez aimé ce tuto, voilà. Est-ce que vous avez aimé ou pas aimé dans les deux cartes? N'hésitez pas à me le dire. Il y a des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, voilà. Alors, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. J'attends tous vos commentaires et plein de petits pouces bleus pour faire connaître la chaîne. À bientôt, bisous bisous, je vous embrasse tous.